Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour notre série 100% New Land. Aujourd'hui, on va faire du traitement comme vous le voyez. Avec. Là, c'est que des véhicules de base. Hein. Donc, on a le T5 que je viens d'acheter. Hein, on avait le T6, on avait le T7. Là, on a le petit T5 en roofing, très joli. Avec le réservoir cune et le puits de véhicule. Tout d'abord, on va faire le traitement. Alors j'espère que le son n'est pas trop fort non plus. Donc j'ai pris la petite puissance, hein, le T5 100 et des bananes. Donc aujourd'hui, on va faire du traitement parce qu'il n'y a pas besoin de faire de l'herbicide. Donc vous voyez, voilà. Alors j'espère que... Déjà, c'est un gros fail. Pourquoi? Alors déjà, c'est un gros fail. Bon, c'est un gros fail, les gens, déjà. Ça mange bien. J'ai tout déplié. Ah. Voilà. Donc, je pensais que j'avais enlevé le cardan et remis le cardan. Mais bon. Donc, en off, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, avant de commencer de ce que j'ai fait, je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant que, même que je sois en vidéo ou que je sois en... quand je fais du off, d'accord, pour avancer la partie. Mon jeu fait des retours Windows. Donc, je fais des retours Windows, je sais pas pourquoi. Alors oui, j'ai semé de l'herbe, mais ça c'est de ma faute. Je pense que vous l'avez dû voir sur ce marque. J'avais oublié de modifier le truc, au moins on aura un peu d'herbe. Pour la moissonneuse, ça sera bien. Donc oui, j'ai eu des retours Windows plusieurs fois. En fait, je vous explique des fois quand j'ai pas fini de machiner sur Farming, que j'ai pas fini, tant que j'ai pas arrêté, c'est que j'ai pas fini ou je veux continuer après manger. Par exemple, après manger, je laisse mon jeu tourner. Donc quand je reviens, il y a le jeu, d'accord. Là, quand je suis inactif, hein, quand je suis inactif pendant, par exemple, je vais bouffer le temps de midi, mon jeu, il reste sur le jeu, il va pas faire un retour Windows. Hein. Ce qui se passe, quand je reviens, il y a mon jeu, de toute façon, voilà. Bah, si je pouvais... Je pouvais machiner. Voilà. Et donc dans ce qui se passe, c'est que sur Farming, ça fait des retours Windows quand je suis inactif. Comme l'autre fois, j'ai dû avancer le temps pour avoir les bonnes températures avec le mode saison. D'accord. Mais j'ai eu pas mal de retours Windows, j'ai dû revenir au jeu. Ça, c'est ce qui était un peu gonflant. Et là, même quand j'ai dû accélérer pour avoir la première pousse de l'orge et des autres cultures, pour faire la première étape du traitement, et ben ça m'a fait pareil. Donc moi, je soupçonne que ça vient de la map, même si elle est bien, mais des fois, j'ai des chutes d'effet, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand je vais sur la campagne bretonne ou autre, on n'a pas eu ces problèmes-là. Peut-être des petits coups de lag par rapport à la capture ou un truc comme ça, mais ça vient pas de ça. Hein. Voilà. Ça vient du jeu en lui-même. Je sais pas. Il doit pas supporter. C'est plutôt la map. Je sais pas. Ça doit pas supporter le mode saison ou autre, mais c'est bizarre. Pourtant, c'est une très belle map. Hein. Il faut savoir que ça a été refait. Ça a été fait par Pascal Trinck, Pascal T, d'accord, et il a adapté pour le mode saison, d'accord. Voilà. Et puis il a fait pas mal de modifs sur la map, donc voilà.
Je sais pas pourquoi, mais si ça me saoule, comme j'ai dit, ça se peut qu'on fasse pas les 10 épisodes, hein. Vous verrez bien dans cet épisode, hein, si on a fait les 10 ou pas. Mais de toute façon, ouais, j'ai des petits coups de lag par moment. Il est vraiment non. Puis avoir des bugs comme quoi je peux plus sauter, plus rien. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait le tour de la map, donc ça se peut que les petits coups de lag, ça peut être le chargement de la map. Voilà. Et tu vois, avec oui, avec le mode saison, au début, j'avais des lags au début, le premier épisode. Et maintenant, je n'ai plus ces coups de lag. Déjà, c'est des coups de lag, je ne sais pas, je suis pas, c'est chute FPS, là, plutôt. Hein. Donc voilà. Vous avez vu dans cette première dans cette vidéo qu'on a fait, donc dans l'épisode d'avant, on avait fait de l'ange, hein, même si j'ai fait des vimitis et que j'ai mis de l'herbe, bon, c'était juste pour que ça soit propre dans le champ d'à côté, même si c'était pas mon champ. Oula, 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 reviens sur la route. Donc on a fait de l'orge, et là on va aller sur le petit champ qu'on avait élaboré sur l'autre fois, l'épisode 2, ou l'épisode, non, l'épisode 3. Alors on avait élaboré, je l'ai semé en blé, et il y a deux autres champs que vous n'avez pas vu dans ces vidéos-là, parce que bah, c'est du colza, mais vous les verrez pour l'épisode 6 qui sera de la moisson. Donc dans cette vidéo, alors, on va vous dire aussi, le petit champ quand j'ai acheté, impossible de semer correctement. Alors, il y a peut-être des manques à certains endroits. Donc je me suis pas fait chier, j'ai dit si ça marche pas, ça marche pas. Bon, là il a poussé aussi, donc ça c'est cool. À mon avis j'ai un peu peur, c'est des collisions, donc j'ai un peu peur avec les bus derrière, que ça passe. Donc en vue extérieure, je vais déplier le bazar à l'intérieur. Oula, un petit coup là comme vous voyez. Hein. Ça c'est que je charge la main. De toute façon je vais juste ici et c'est tout. Ça c'est quoi? Ah mais ça doit être les cochons. Cochon mouton. Donc on va le faire en une traite. À mon avis il y aura des manques, mais moi je vais le faire à ce passage. Voilà. Aussi, je vous avais dit, ben voilà, je l'ai, ouais. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit dans cette vidéo, aussi, dans ce que je vous ai dit dans l'épisode 1 ou 2, bon, on va faire en une traite parce que je vais pas m'emmerder, je vais faire un passage comme ça, c'est pas grave si les bordures sont parfaites comme il faut. Là, j'ai des mauvaises herbes, j'attendrai que ça pousse. Désolé, j'ai eu des petits problèmes là, je pense que vous avez dû voir la capture. Aussi, voilà, c'est des chutes d'EPS, hein, c'est pas, ça vient de la map, hein, ça vient pas de, que c'est bizarre sur la campagne bretonne. Et hop, et voilà. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'était l'épisode 3, ou 2, je sais plus, où on était en train d'acheter un nouveau matériel. Bon, là, il y a un peu d'herbe, mauvaise herbe, mais ça, je le ferai en off peut-être, parce que je vais faire les trois étapes. Ces champs, on les... pas ces champs. Ce champ a eu d'avoir la troisième étape, mais pas les autres champs, ils ont aucune étape. Donc là ils ont tous la première étape sauf celui-là qui doit avoir la troisième étape parce qu'il était en deuxième étape. Voilà, vous avez compris, etc. Donc aussi, quand je reviens à mon mouton, ben, je reviens à mes moutons, donc comme on dit dans le jargon. Désolé, des petits coups de lag. Voilà. Peut-être qu'on verra, hein, mais vous allez voir peut-être un des champs de colza si j'ai le temps, peut-être voir l'autre, on verra bien. Aussi, des trucs à vous dire. Dans l'épisode 2, je vais arriver à me souvenir de ce qui s'est passé. J'avais dit qu'on changerait la moissonneuse. Dans l'épisode 3, j'avais dit que dans l'épisode 2, j'avais trouvé une moissonneuse sympa. J'ai réussi, bah, j'ai téléchargé une autre version de moissonneuse Newland.
Donc, oui, on va vendre la moissonneuse, même si elle n'a pas tourné. Donc là, on a 202 000. Je suis pas sûr qu'on aura assez, mais avec la vente de l'autre moissonneuse, comme elle a pas fait d'heure, peut-être que je vais gagner un petit 100 000 euros, peut-être. Mais ça sera pas assez, mais il faudra peut-être emprunter. Alors normalement, c'était la 9,90 qu'on devait acheter. Désolé des coups de lag, oui. Hein. Du coup, ça sera la 9,80 au lieu de la 9,90. D'accord. Là, je vais ici. Il faut que j'aille dans le village. Et aller vers la butte des vaches. Et un peu plus loin. Et après, l'autre, il est pas loin des cochons. Donc ça, c'est cool. J'ai pris des champs un peu partout. Donc voilà. Donc, ouais, hein, du coup de lag, ça vient de la map, c'est pas fluide, c'est optimisé comme le cul. Voilà. Donc voilà, on achètera la 9,80 et non la 9,90. J'avais dit la 9,90, mais c'est pas. J'avais dit ça, mais ce sera pas la 9,90, ça sera la 9,80. Oui. Avec barre de coupe propriable parce que vous avez vu hein, petit champ etc et tout et voilà et là on arrive sur le champ que vous avez pas vu qui est du colza dans l'eau c'était du blé parce que c'était un petit champ et puis ça rapporte pas beaucoup de blé X on coupe les girons juste un instant à mon avis je fais un seul passage comme d'habitude. Voilà. Ouais, j'ai même des problèmes de bug de son. Tant que c'est pas, j'entends plus son, c'est bon. Mais il ne m'aille pas faire sur farming, mais si c'est dans la capture, c'est compliqué. Bon, là aussi, il y a des mauvaises herbes à faire. Bon, je vais pas m'emmerder à faire tout le champ. Voilà. Donc, je vous dis, je passe une traite au milieu. Donc voilà, on changera la moissonneuse, vous verrez la nouvelle moissonneuse lors de la moisson. Et puis ça sera bon. Bon, après je suis pas sûr, hein. Là c'est sûr qu'on va emprunter. C'est sûr qu'on va emprunter. Mais on verra bien voilà, on verra bien pour la moissonneuse. À mon avis, c'est sûr qu'on va emprunter. Et après, on verra pour l'épisode 16 ce qu'il y aura à faire. Peut-être que l'épisode va s'arrêter, l'épisode 6. Ça, comme je vous dis, je verrai. Hein, parce que ça dépend comment, si ça me saoule trop, si s'il n'y a pas d'autres bugs. Vous voyez, quand je tourne la caméra, comment je vois, c'est pas ma carte graphique ou autre. Hein. Là, je tourne bien, je suis à 30 fps, et d'un coup, j'ai des chutes d'fps. Faut pas me dire que la map n'est pas optimisée. Pour les petits PC. Hein, ça se voit que un petit PC, on a du mal. Hein. Donc, on verra bien. Une vidéo est-ce qu'il aurait il aurait du temps pas le temps que j'ai déplié le machin je vais régler mon cours d'eau oui il aurait du temps donc on va pouvoir le faire le dernier champ de colza donc vous le verrez aussi le dernier champ de colza merde tombe 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 voilà par contre elle est raide la pente le souci ah oui j'ai oublié de vous dire. Le petit champ pour ceux qui sont en train de le faire sur cette map. Le problème, vous avez vu, le champ n'est pas vraiment plat en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu semer comme je voulais. Merci les lags. Hein. Donc voilà. Donc on verra bien. On verra de toute façon pour la moisson. Mais bon, j'ai fait à mon mieux avec le semis en off. Donc on verra bien. Voilà. Allez, on y va là, derrière les cochons.
Moi je connais la map par cœur, force donc de jouer sur la version 1 et la version 3, c'est la même. À part que ça a changé un peu certains trucs, mais pas ça s'est pas agrandi, ça s'est pas. Voilà. Alors, on est où? Hop, on est bien arrivé. Voilà, on arrive derrière le bâtiment. Et ça sera la dernière. Et ben j'aurais juste à passer une deuxième étape. Tuxé, voilà. On déplie le bazar. Voilà. Donc voilà. Hop. Bon, c'est pas grave si ça te. C'était un homme de la partie, pas déjà fait. Donc voilà. Donc là, on va finir de pulvérer. Moi, j'aurais peut-être un coup d'herbicide sur ces champs à faire. Bon, là, je pense qu'il y a le dernier passage. Là, on n'aura pas besoin de faire un autre passage sur le petit champ. Et sur les autres, il me restera deux passages à faire tranquillou. Et on sera posé. Voilà. 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 Voilà, il va lui. Bon, voilà. On aura fait tous les champs en vidéo. Bon, on en a que 4, hein. Je vois rien du tout. Je vais pas m'emmerder à faire les petits endroits. Moi, je passe un gros coup comme ça. C'est pas grave si le champ n'est pas tout fait, hein, on va dire. Hein. C'est pas que je veux pas aller vite sur pour la vidéo, mais j'en fais un maximum. Il y aura un peu de rendement sur certains endroits, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je vais faire ce petit bout parce qu'il est important un peu. Bon, je fais le champ du voisin en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de frais pour acheter ces big bags d'engrais liquide. Et puis voilà, et puis nous on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. On finit ce champ, on recule le bazar. Moi je vais le ramener au magasin. Non, je ne vais pas le ramener au magasin. Bon voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker si vous. Voilà, n'hésitez pas, hein, voilà. N'hésitez pas à liker plutôt. Hein. Si vous dislikez, ben, mettez en commentaire pourquoi. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description. Hein, voilà. J'essaie de renouveler le lien de Discord des fois, hein, parce que Discord un petit peu. Il faut renouveler chaque fois le lien. Donc, voilà. Donc moi je vais laisser ça pour cette vidéo. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis bye bye.